La nature est un concept que l'on emploie tous les jours sans vraiment savoir ce qui se cache derrière. La nature en vient souvent à être définie comme recouvrant tout ce qui existe. On confond ainsi le monde et la nature, et on perd la spécificité de la nature. Après avoir abordé les semaines précédentes de nombreux penseurs contemporains, nous vous emmenons dans l'œuvre d'Aristote et plus précisément dans sa conception de la nature. Alors certes, la révolution scientifique du XVIIe siècle a totalement invalidé la philosophie naturelle d'Aristote, mais il n'en demeure pas moins passionnant d'explorer cette pensée de la nature, à la fois étrange et fascinante. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Alexis. Bonjour. Alors, tout d'abord, nous tenions à nous excuser car nous vous avions annoncé un podcast sur le texte de Walter Benjamin la semaine dernière sur l'art. Et malheureusement, il n'était pas prêt. Donc, il faut savoir que ces émissions nous prennent beaucoup de temps à préparer et surtout à Alexis. Donc, ne nous en voulez pas trop. Par ailleurs, Alexis, quand est-ce que tu as une idée de Alors, ce sera la semaine prochaine, vendredi, en fin de semaine prochaine, donc. Très bien. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre toujours un peu plus nombreux chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit pouce bleu, à appuyer sur la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles publications et également à participer à la cagnotte Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Même 1 ou 2 euros, c'est déjà très bien. Ça nous aide, surtout qu'en plus, on est en train de prévoir ce qu'il faut pour pouvoir faire des directs, des émissions en direct et puis améliorer aussi le montage. Donc tout ça, ça a un coût. Donc, un petit geste, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse avec Alexis. Oui, en effet. Alors, comme tu l'as dit, Stéphane, la nature est un concept d'emploi courant. Et par là même, il reste la plupart du temps non interrogé. L'acception la plus courante consiste à identifier la nature à l'ensemble des êtres matériels. La nature ne serait donc rien d'autre que l'ensemble du monde physique. C'est cette acception que retient un philosophe comme John Stuart Mill. Dès lors, si l'être naturel est ce qui se trouve inclus dans l'ensemble du monde matériel, du monde physique, l'homme et ses propres œuvres et produits artificiels, donc, font partie de la nature au même titre qu'une plante ou qu'un animal. John Stuart Mill retient une seconde acception. La nature est l'ensemble du monde matériel, exception faite de l'homme. La nature se constitue donc de tout ce qui a existé avant l'apparition de l'homme et de tout ce qui existe indépendamment de lui. Les deux définitions de John Stuart Mill, ce philosophe anglais donc, ont le défaut commun de prêter au concept de nature une extension beaucoup trop large et indéfinie, de telle sorte que d'une part, la nature se trouve dénuée de tout sens spécifique et que d'autre part, on ne voit plus très bien la différence entre le monde et la nature. En outre, ces définitions sont contre-intuitives. La première, en effet, revient à mettre sur le même plan un objet manufacturé et une plante, ou une fleur, ou un arbre. Donc ce qui d'ordinaire passe pour naturel et ce qui passe pour artificiel. En somme, John Stuart Mill occulte la distinction cardinale entre ce qui advient par et grâce à la main de l'homme, l'artifice donc, et ce qui advient au monde et se développe indépendamment du travail de l'homme et de sa culture. Ensuite, la seconde définition paraît arbitraire en ce qu'elle exclut l'être humain. Certes, l'être humain est un être de culture. Toutefois, en tant qu'espèce, l'homme est apparu sur Terre selon un processus naturel semblable à celui suivant lequel les autres êtres naturels sont apparus. En tant qu'individu, de plus, l'homme est un être biologique régi par des processus naturels. Si j'ai voulu débuter mon propos par cette définition moderne de la nature que nous donne John Stuart Mill, c'est qu'il s'agit pour moi, par contraste, de vous montrer que
il y a une certaine concision dans la conception aristotélicienne de la nature. Et c'est justement par cette distinction entre la nature et l'artifice que nous pouvons aborder la pensée aristotélicienne de la nature. Ce qui frappe en effet Aristote lorsqu'il observe le monde, ce n'est pas le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Ce sera la grande question de Leibniz. Une telle question ne se pose pas pour Aristote, car le monde, selon lui, est éternel. Le monde n'a ni début ni fin. Il y a le monde, le fait du monde et son éternité. Il n'y a qu'à constater cela sans l'interroger. Non, ce qui frappe Aristote, c'est que les choses soient ce qu'elles sont. Des choses matérielles, de manière immanente, c'est-à-dire sans aucune intervention extérieure, adviennent au monde, se développent, s'organisent, prennent forme, et cela avec une certaine spontanéité et une certaine régularité. Le monde sensible, pour Aristote, est loin d'être le chaos que décrivait Platon. Le monde, spontanément, selon Aristote, se met en forme. Aristote remarque donc cette mise en forme spontanée, notamment au niveau du vivant, et cela à un double niveau. Au niveau individuel d'abord, le vivant est un organisme, c'est-à-dire un ensemble où toutes les parties ont une fonction et par là même contribuent au maintien du tout de cet organisme. Au niveau collectif ensuite, le règne du vivant est extrêmement organisé lui aussi. De façon spontanée et immanente, encore une fois, le vivant s'organise en genre, en espèces, en variétés, etc. De même, les espèces ne se mélangent pas. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que l'ambiance aristotélicienne est donc celle d'un monde extrêmement organisé et structuré. La constatation d'un ordre immanent dans le monde va profondément marquer Aristote, à tel point même que ce mouvement d'organisation, immanent aux choses et ne venant pas d'un agent extérieur, va définir ce que sont les êtres naturels, ou encore les substances naturelles. Et Aristote est très clair sur ce point. Il écrit au livre 2 de la physique, je cite, « Les étants naturels ont tous en eux-mêmes le principe de mouvement et de repos, les uns selon le lieu, les autres selon la croissance et la décroissance, les autres selon encore l'altération, tandis qu'un lit, un manteau et toute autre chose de ce type, en tant qu'on leur a attribué cette fonction et dans la mesure où ils sont produits par une technique, n'ont aucune tendance naturelle au changement. » Fin de citation. Alors, dans ce petit passage, mais qui est très important, de la physique, on voit immédiatement deux choses qui sont capitales pour comprendre la conception qu'élabore Aristote de la nature. Aristote, tout d'abord, définit les êtres naturels par opposition aux objets artificiels, c'est-à-dire aux objets qui sont fabriqués par l'homme, fabriqués de la main de l'homme. La coupure, donc, principale, passe, selon Aristote, entre le naturel d'une part et l'artificiel d'autre part. Ensuite, ce qui va différencier justement les êtres naturels des objets artificiels réside dans leur principe de mouvement et de repos. En effet, l'être naturel est l'être qui se développe de lui-même, qui se meut lui-même et surtout qui se met en forme de lui-même de manière purement immanente pour devenir ce qu'il est. La cause de son mouvement, autrement dit, ne lui est pas extérieure. Il devient ce qu'il est sans qu'une cause extérieure, un agent extérieur, ne vienne le mettre en forme. En revanche, un objet artificiel ne prend forme, n'est construit que par le travail de l'homme. Il est ce qu'il est, non de lui-même et par lui-même, mais grâce et par à une intervention extérieure, par et grâce à une action extérieure qui est précisément le travail de l'homme. Par conséquent, nous avons une première caractérisation de ce qu'est la nature selon Aristote. La nature, la physis, n'est pas l'extension des êtres naturels, mais désigne ce principe du mouvement immanent aux êtres. Aristote écrit
À un autre endroit dans la physique, je cite que la nature est un principe et une cause du mouvement et du repos pour ce dans quoi elle existe originellement, en soi et non par accident. Fin de citation. La nature est donc la cause intérieure, inhérente aux êtres naturels du mouvement, par lequel ils s'organisent spontanément, prennent la forme qu'ils ont. La nature constitue, nous le voyons, un type de causalité. À côté de la causalité artificielle, qui est la causalité humaine, il faudra donc ajouter une causalité naturelle. Qu'est-ce qu'alors étudier la nature ? Comment connaître la nature ? Quelle est la méthode à adopter ? En réalité, pour comprendre ce point, il faut bien saisir que l'on trouve chez Aristote une véritable polysémie du terme de nature. La nature, en d'autres termes, se dit en plusieurs sens. La nature a plusieurs sens, plusieurs significations chez Aristote. Dans La Métaphysique, un autre livre d'Aristote, au livre Delta, consacré à une série de définitions de notions essentielles en philosophie, Aristote écrit, je cite, « Nature se dit, dans un premier temps, de la génération de ceux qui croient. » Fin de citation. Nous comprenons donc aisément que la nature n'est pas seulement le principe du mouvement, mais elle est également ce mouvement lui-même, par lequel les choses se développent et prennent forme, spontanément, sans causalité extérieure. La nature se définit par conséquent également comme une genesis, G-E-N-E-S-I-S, qui signifie en grec « devenir ». Donc la nature, c'est le devenir de ce qui apparaît, à savoir les êtres naturels qui ont en eux-mêmes le principe de leur mouvement. Pour résumer les choses plus clairement, la nature constitue donc non seulement cette poussée intérieure à l'être naturel qui le conduit à être ce qu'il est, mais encore la cause ou le principe, c'est la même chose dans l'œuvre d'Aristote, la cause ou le principe donc de cette poussée. Comme nous le verrons, les êtres naturels, dans le mouvement, sont orientés vers une fin, une finalité qui est leur forme essentielle, ce qu'ils ont à être. En ce sens, Aristote élabore, nous le verrons également, une conception téléologique de la nature. Étudier la nature, connaître la nature, implique alors d'étudier ce devenir, cette genesis, cette poussée intérieure que l'on pourrait symboliser par l'image de la croissance végétale, et plus précisément, donc, d'étudier les mouvements spécifiques par lesquels les êtres naturels deviennent ce qu'ils ont à être. Néanmoins, à quelles conditions cette science du mouvement, cette science du devenir qu'Aristote construit contre Platon, pour lequel il n'y a qu'une science de l'être, est-elle possible ? Aristote écrit très clairement à ce propos au livre 2 de la physique, je cite « Puisque, en effet, notre entreprise a pour objet le savoir et que nous pensons ne rien savoir d'un être avant d'en avoir saisi le pourquoi, c'est-à-dire avant d'en avoir saisi la cause première, il est clair que nous devons avoir la même attitude à l'égard de la génération et de la corruption, comme à l'égard de tout changement naturel, de manière que, connaissant leurs principes, nous nous efforcions d'y ramener chacun des êtres sur lesquels porte notre recherche. » Fin de citation. Étudier la nature consiste donc à rendre compte du mouvement des êtres naturels en dégageant leurs principes et leurs causes, les principes et les causes de ce mouvement. Dès lors, la physique ou la philosophie naturelle se fondera et s'établira dans la recherche des principes du mouvement et du repos, des substances naturelles, des étangs naturels. Cela suppose bien sûr que le mouvement n'est pas, comme chez Platon, erratique, chaotique et irrégulier, mais connaît des types, connaît des régularités. Néanmoins, on pourrait adresser la remarque suivante à Aristote. Ce principe du mouvement est interne à l'être et s'appelle également nature. Il suffirait alors de dire, pour rendre compte du mouvement, il suffirait de dire qu'il y a un principe immanent à chaque être naturel qui en constitue la cause. Et ce serait la nature. Cela néanmoins ne tient pas, car Aristote a une conception beaucoup plus large et en même temps beaucoup plus précise de ce qu'est une cause. Une cause n'est pas, ou n'est pas simplement à tout le moins, ce qui produit des effets selon le modèle techniciste.
Une cause n'opère pas seulement en ce qu'elle produit des effets. La cause, c'est ce par quoi, ou c'est ce en vertu de quoi, quelque chose est ou vient à l'être. Dès lors, la cause, c'est ce qui répond à un certain état de choses qu'elle ne produit pas forcément, mais dont elle permet de rendre compte sous un certain aspect. Par exemple, devant un tribunal, on rendra compte d'un meurtre en l'imputant au milieu social dans lequel a grandi le criminel. Mais le milieu social n'a pas produit le meurtre. Le milieu social n'a pas produit l'arme qui a commis le meurtre. Non, le milieu social permet de rendre compte du meurtre, permet de dire pourquoi il y a eu meurtre. La cause répond à la question du pourquoi. Et, pour ce qui nous concerne, pourquoi y a-t-il mouvement des êtres naturels? Qu'est-ce qui permet d'en rendre compte? Quels sont les principes qui permettent d'expliquer ce mouvement? Nous voyons bien que répondre à cette question en disant « c'est la nature » n'explique rien, ni n'apporte aucune intelligibilité. Cela reviendrait en quelque sorte à concevoir la nature comme une entité mystérieuse. Mais loin d'être une telle entité, la nature ressortit davantage d'une structure causale. Pour le dire autrement, il s'agit de voir comment la nature opère en tant que cause, comment la nature effectivement produit ce mouvement des êtres naturels. Envisager les choses de cette manière permettra par là même d'enrichir la signification du concept de nature. Mais avant d'envisager les causes du mouvement, il nous faut d'abord déterminer les différents types de mouvements qui existent au sein de la nature selon Aristote. Ce qu'Aristote appelle mouvement, en grec kinésis, que l'on peut écrire K-I-N-E-S-I-S, ce qu'appelle mouvement donc Aristote, nous aurions nous tendance plutôt à l'appeler aujourd'hui changement. Le mouvement, selon Aristote, est un changement si l'on regarde les choses de plus près. Il y a quatre types de mouvements, selon Aristote. Le mouvement au sens moderne, c'est-à-dire le déplacement, c'est le mouvement selon la catégorie du lieu. Il s'agit d'une translation locale. Naturellement, le feu se dirige vers le haut. Ensuite, le mouvement selon la catégorie de la qualité, c'est l'altération. Il s'agit là tout simplement du changement qualitatif. L'eau, par exemple, passe de l'état liquide à l'état solide ou gazeux. Il y a de plus le mouvement selon la catégorie de la quantité, c'est l'accroissement ou la diminution. L'exemple typique est celui de la croissance végétale. Une fleur pousse, mais une fleur également fane, elle diminue. Et enfin, le mouvement selon la catégorie de la substance, la génération ou la corruption. Une substance, en effet, vient à être au monde, advient au monde ou s'autodétruit. Ajoutons une remarque. Il faut distinguer les trois premiers mouvements du quatrième, la génération ou la corruption. En effet, dans le cas des trois premiers mouvements, qu'il s'agisse du déplacement, de l'altération, de la croissance ou de la diminution. L'être naturel, en tant qu'il est substance, c'est-à-dire support des prédicats, support des déterminations, eh bien, cet être naturel demeure. Socrate, en effet, bien qu'il vienne à grandir, reste Socrate. Socrate, s'il bronze, eh bien, il reste tout de même Socrate. Il reste cette substance qu'est Socrate. Au contraire, dans la génération, c'est la substance elle-même qui vient à l'existence à partir de semences, ce qu'Aristote appelle les spermata, ou qui s'autodétruit, se décompose, se corrompt. Il ne reste plus alors que la matière. Cela est très important à comprendre, car il n'y a jamais de génération ex nihilo, selon Aristote. En effet, le modèle créationniste, c'est-à-dire le modèle chrétien de la création ex nihilo, de la création à partir de rien, où l'on passe du néant à l'être, est complètement étranger à la pensée antique et à celle d'Aristote en l'occurrence. Cela, c'est un héritage de la pensée chrétienne avec l'idée d'une création du monde par Dieu qui réussit le tour de force, qui est le miracle du passage du néant à l'être.
Nous devons donc maintenant trouver les causes et les principes du mouvement, c'est-à-dire les causes et les principes qui permettent de rendre compte des mouvements des êtres naturels et surtout qui permettent de répondre à la question « Pourquoi le mouvement ?» En ce sens, Aristote procède à la conception d'une science du devenir, et cela contre Platon, je l'ai déjà dit. Aristote va donc rechercher les principes du mouvement. Quels sont les principes qui rendent possible le mouvement ? Aristote écrit de manière très explicite et de manière très éclairante au livre 2 de la physique, je cite, c'est une citation un peu longue mais qui est capitale pour comprendre la suite, Aristote écrit donc « De sorte qu'il est évident, à partir de ce qui a été dit, que tout ce qui devient est toujours composé. Et ce d'une part, quelque chose qui advient, et d'autre part, quelque chose qui devient cette chose qui advient. Et ce qui devient est double. Soit le substrat, soit l'opposé. Par être opposé, je veux dire l'inculte, et par être substrat, l'homme. Et par l'absence de figure, de forme et d'ordre, c'est l'opposé. Alors que l'airain, la pierre ou l'or, c'est le substrat. » Fin de citation. Alors, c'est une citation importante, mais elle est tout de même compliquée. Elle est compliquée, mais elle nous donne les trois principes. Les trois principes qui nous permettent de répondre à la question « Pourquoi y a-t-il mouvement ?» Le premier principe, c'est ce que Aristote dit, quelque chose qui advient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mouvement s'explique par le fait qu'il fait advenir quelque chose dans la matière. Et ce qu'il fait advenir, c'est une forme, une morphée, comme on dit en grec. Dans le mouvement, la matière reçoit une forme, prend une certaine forme. Le mouvement donne donc naissance à un composé de matière et de forme, ce qu'en grec on appelle le synolon, qui définit l'être naturel, la substance naturelle. L'être naturel, c'est le résultat d'une mise en forme de la matière au cours du mouvement, du changement. On retrouve là le fameux schéma ilémorphique. Ilé veut dire matière, morphique vient de morphée qui veut dire forme. Donc, le mouvement est toujours la mise en forme d'une matière et donne lieu à un composé de matière et de forme. Et ces formes peuvent être qualitatives, un changement de couleur par exemple, ou encore quantitatives. Un enfant grandit et devient adulte. De fait, le mouvement des corps naturels est toujours un mouvement d'actualisation. Le mouvement met en forme, donne une forme à une matière en actualisant les possibles formes que pouvait recevoir cette matière, les possibles formes qui étaient en puissance dans la matière. De même que l'artisan actualise les potentialités du marbre en créant dans le marbre une statue. En puissance, la statue était dans le marbre, c'est-à-dire que la statue était une potentialité du marbre, un état possible du marbre. De même, le mouvement actualise les formes en puissance, c'est-à-dire à titre de potentialité, dans une matière spécifique. Et chaque matière, chaque type de matière différent, a des formes différentes, a des formes spécifiques qui peuvent être actualisées dans cette matière. Chaque matière ne peut pas recevoir toutes les formes. Le deuxième principe, Aristote nous dit que quelque chose devient. Cela nous mène logiquement à la matière, à la ilé, comme on dit en grec, H-Y-L-E. Pour qu'il puisse y avoir un mouvement, un changement, au corps faut-il une matière qui puisse recevoir les formes qu'actualise ce mouvement ou ce changement. C'est donc la matière que l'on appellera le substrat et qu'on appelle en grec hupo. Kaimenon, ce qui se trouve en dessous. La matière est le support du changement, le support sur lequel le changement s'opère. Enfin, un troisième principe dont Aristote nous parle, la privation, que en grec on appelle stérésis. Si la matière, en effet, devient quelque chose en recevant une forme, encore faut-il au préalable qu'elle en soit privée. Si elle n'était pas privée de cette forme, il n'y aurait justement aucun mouvement d'actualisation. Par exemple, pour qu'un homme devienne cultivé, il est nécessaire, bien évidemment, au préalable, qu'il soit privé de cette détermination qui est le fait d'être cultivé. Voilà donc les trois principes du changement. La forme, la matière et la privation.
Et nous voyons très bien que ces principes, en tant que causes, ne sont pas des causes productives du changement, mais expliquent le fait qu'il y ait changement. Pour quelles raisons il peut et il y a changement. Précisons un point à propos de la forme. Nous avons dit que le mouvement immanent aux êtres naturels leur donne une forme. On a affaire, comme nous l'avons dit, à des substances composées, ce qu'on appelle le sunolon en grec. Mais les formes qu'actualisent le mouvement sont de deux types. Il y a d'une part les formes essentielles. En effet, le mouvement va actualiser progressivement la forme qui constitue l'essence de l'être naturel, qui dit et désigne ce qu'il est véritablement. Le plus souvent, cette forme essentielle est le nom de l'espèce à laquelle appartient l'être. Espèce par laquelle se définit un être, un homme, une rose. La forme essentielle de Socrate, c'est l'humanité. Et la forme essentielle est donc spécifique. Cette forme essentielle permet de définir ce qu'est véritablement l'étant naturel qui la reçoit. C'est donc son essence, ou ce que l'on appelle encore sa quidité, Q-U-I-2-D-I-T-E, accent aigu. Mais à côté des formes essentielles, il y a également les formes non essentielles. En effet, simultanément, le mouvement va actualiser aussi au sein de la matière des formes qualitatives ou quantitatives qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec l'essence de l'être, qui n'ont rien à voir forcément avec l'essence de l'être naturel qui se voit, lui, attribuer ces formes. C'est en ce sens qu'elles ne sont pas essentielles et qu'elles sont le plus souvent passagères. Par exemple, Socrate a beau être petit. La petitesse, donc, est une forme que sa matière a en puissance et que le mouvement actualise. Mais sa petitesse ne nous dit rien sur l'essence de Socrate. Socrate a beau être petit, on ne nous dit pas ce qu'est Socrate quand on nous dit qu'il est petit. Socrate a beau être bronzé, cela ne nous renseigne nullement sur l'essence de Socrate. Bien plus, Socrate reçoit ses formes qualitatives ou quantitatives non essentielles, mais ne change pas pour autant. Sous ces déterminations, Socrate conserve sa forme essentielle, son essence, sa quidité, l'humanité qui réside, nous le verrons, dans la rationalité. C'est pourquoi nous pouvons dire que la forme d'un être naturel est toujours à la fois générale et particulière. Chaque être naturel se définit par sa forme essentielle, qui est l'espèce et qui est commune à toute l'espèce, mais néanmoins, il conserve une certaine individualité en ce que les changements qui actualisent des formes non essentielles le singularisent. Les formes non essentielles singularisent l'être naturel. Tous les êtres humains se définissent, par exemple, par l'humanité, mais aucun n'est semblable à l'autre du fait de ces formes essentielles, non essentielles, pardon, qui les individualisent. À partir, donc, des principes que nous avons isolés, nous voyons alors émerger la théorie bien connue des quatre causes aristotéliciennes. Nous retrouvons quatre causes à l'œuvre dans le mouvement qui permettent d'en rendre compte. Premièrement, la cause matérielle, c'est le rôle que joue la matière. Deuxièmement, la cause motrice ou efficiente. Elle imprime, depuis l'intérieur même de l'être naturel, le commencement du mouvement. Ensuite, la cause formelle. La forme est une condition de possibilité du mouvement. Il y a mouvement parce qu'il y a une forme qui s'actualise. Et enfin, la cause finale. La forme est aussi cause finale. En quel sens comprendre cela? Eh bien, tout simplement, si le mouvement actualise une forme, c'est aussi la forme qui détermine et oriente le mouvement. La forme est le but du mouvement. Il y a mouvement parce qu'il y a une forme à actualiser. Il y a donc une coïncidence au sein des êtres naturels, ou ce qu'on appelle aussi les étants naturels, une coïncidence donc entre la forme et la fin. La fin première de l'étant naturel consiste à accomplir sa forme spécifique. Mais n'oublions pas que la cause du mouvement se nomme aussi nature. De fait, il ne faut pas dire qu'il y a quatre causes du mouvement, mais plutôt que la nature est cause du mouvement de quatre façons. Il y a pour la nature quatre façons d'être cause du mouvement. Et dans son ouvrage Aristote, une philosophie de l'activité, Pierre-Marie Morel, qui est un spécialiste de Aristote, écrit, je cite, «
Nous devons donc distinguer non pas quatre causes qui existeraient en tant que telles, abstraction faite de leur sujet naturel, mais quatre manières d'être cause, selon la matière, selon la forme, selon le mouvement et selon la fin. Fin de citation. Cela signifie aussi, donc, que la nature se dira également de la matière et de la forme qui, mêlées l'une à l'autre, font advenir un être naturel. Nous venons de voir que le mouvement naturel se définissait comme l'actualisation d'une forme au sein d'une matière qui en était au préalable privée. Je voudrais revenir sur cette notion de privation, car elle me semble engager chez Aristote non seulement son éthique, mais encore sa politique. Cette notion de privation est une catégorie ontologique, en ce qu'elle indique un manque, une privation, une déficience ou encore une infériorité dans l'être même d'une chose. Ontologique vient du verbe « être » en grec. Cela signifie que l'univers aristotélicien est un univers saturé de normes et de hiérarchies. S'il y a privation, c'est qu'il y a une norme à accomplir. Chaque être naturel, ou même artificiel d'ailleurs, a une place, une fonction et des normes à respecter, des propriétés normales pour accomplir sa fonction et être véritablement ce qu'il est. La fonction de l'œil, par exemple, est de voir, c'est la vision. Donc l'œil doit voir. Un œil aveugle, par conséquent, ne réalise pas sa forme essentielle, n'actualise pas totalement ce qu'il est essentiellement et donc doit être. Il se trouve par là même, en quelque sorte, moins œil, si l'on peut dire, que l'œil qui voit. Au niveau de l'être, au niveau ontologique, il lui manque quelque chose pour être pleinement œil. De la même manière, l'homme inculte est moins homme, moins humain que l'homme cultivé. En effet, l'essence de l'homme, c'est son humanité. Humanité qui se définit par la rationalité et la culture. L'homme inculte n'actualise pas toutes ses potentialités, n'actualise pas la rationalité qu'il a en puissance et qui lui permettrait d'être effectivement et véritablement pleinement homme. Chaque chose naturelle, notamment, a donc à être quelque chose. Les choses prises dans le mouvement doivent se conformer à ce qui fait leur quidité, c'est-à-dire à leur essence. Elles doivent accomplir leur forme essentielle. Toutefois, se conformer à une norme en actualisant ses potentialités n'est pas un devoir-être. Il n'y a pas de scission dans la philosophie antique entre l'être et le devoir-être. Il n'y a pas de distinction, donc, entre l'être, ce qui est, ce qui existe, ce qui relève du fait, donc, et d'autre part, ce qui doit être, c'est-à-dire ce qui relève de l'idéal. Il n'y a pas de distinction, donc, entre le plan de l'être, de la même manière, et le plan de la morale. Il s'agit là d'une distinction moderne, que l'on retrouve par exemple chez Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Agir moralement, selon Kant, je l'avais expliqué dans des podcasts antérieurs, consiste à appliquer la loi morale par pur respect de cette loi en allant contre sa nature, c'est-à-dire contre ses instincts, contre son égoïsme, contre tout ce que Kant appelle le pathologique en l'homme. Le paradigme chez les modernes est donc le suivant. Accomplir son devoir, c'est aller contre sa nature, c'est renoncer à sa nature qui est fondamentalement passionnelle. Le paradigme chez les anciens, notamment chez Aristote, est tout à fait différent. Être vertueux suppose d'accomplir sa nature, suppose d'actualiser pleinement ce pour quoi l'on est fait, suppose d'actualiser pleinement son essence. Ainsi, l'homme inculte n'est pas celui qui suit sa nature chez Aristote ou ses penchants. Il n'est pas inculte parce qu'il suivrait trop sa nature ou ses penchants. Non, l'homme inculte, au contraire, et celui qui ne réalise pas pleinement sa nature, sa fin, qui est sa forme essentielle, l'humanité, la rationalité. Apparemment, la tâche paraît aisée chez les anciens. Rien de plus facile que d'être soi-même, rien de plus facile que d'actualiser sa forme essentielle, c'est-à-dire son humanité, et par là même d'être vertueux. Pourtant, chez Aristote, cela reste, pour l'homme notamment, un idéal inaccessible. Les êtres naturels, dont fait partie l'être humain, ne coïncident jamais vraiment avec leur forme essentielle,
avec leur essence, avec leur cuidité. Pour quelle raison alors ? Tout simplement parce que l'être naturel est composé de matière et de forme. En effet, bien que la nature, en tant que principe du mouvement et du repos, permette d'actualiser la forme essentielle, qui est en puissance dans la matière, d'un autre côté, cette matière constitue également un principe d'indétermination. La matière introduit en effet de l'usure, du bouger, qui empêche un être naturel de coïncider parfaitement avec sa forme. Le meilleur exemple, ce serait le bois, pour comprendre cela. Le bois travaille. Vous faites avec du bois un meuble, mais ce meuble continue à travailler. Des plaques dans ce meuble se disjoignent. Donc, cela empêche le meuble d'être vraiment meuble. Cela empêche le bois de devenir un meuble parfaitement, de se conformer à la forme du meuble. En d'autres termes, les êtres, grâce et par à leur nature, en tant que principe du mouvement et du repos, tendent vers leur fin, vers leur télos, que le mouvement actualise. Mais dans ce processus, et simultanément, ces êtres naturels se trouvent entravés par la matière dont ils sont constitués. Cela signifie que le mouvement n'actualise pas dans la matière uniquement la forme essentielle, mais aussi tout un ensemble de formes non essentielles qui n'ont rien à voir avec la forme essentielle. Ce que la substance naturelle a à être, sa cuidité. Il y a également des mouvements irréguliers et contingents dus au hasard qui empêchent l'être naturel d'actualiser pleinement sa forme essentielle. C'est justement cette non-coïncidence des êtres naturels avec leur forme essentielle qui caractérise, selon Aristote, le monde sublunaire, c'est-à-dire tous les êtres naturels qui se trouvent en deçà, selon Aristote, de la Lune. Ce monde sublunaire est en totale opposition avec le monde supralunaire, c'est-à-dire le monde qui est au-delà de la Lune et qui est notamment le monde des astres. Le mouvement des astres, par opposition au mouvement des êtres naturels sublunaires, est parfaitement sphérique, régulier, continu. C'est un mouvement qui revient toujours sur lui-même. Il se répète éternellement et à l'identique et ne dévie jamais de sa trajectoire. Ce mouvement est tellement continu, régulier et identique à lui-même qu'il nous donne une image mobile de l'éternité, nous dit Aristote. En revanche, pour cet être naturel qu'est l'être humain, actualiser parfaitement sa forme, son essence, actualiser pleinement donc l'humanité en tant que rationalité, parce que l'homme est un animal rationnel selon Aristote, cela est impossible. Être de part en part rationnel, coïncider parfaitement et totalement avec sa forme essentielle qui est l'humanité, est un idéal éthique certes qu'il faut viser, mais qui est inaccessible. L'homme ne peut pas réaliser pleinement sa forme, car précisément, il n'est pas qu'une forme. Il est aussi un corps, une matière. Le corps matériel, en effet, m'oppose des besoins, des désirs, des penchants, comme la sexualité, des passions également. Autant de déterminations qui me sont inessentielles et qui entravent l'actualisation pleine et entière de mon essence, de ma cuidité, qui m'empêchent donc d'être pleinement moi-même. Aristote, en ce sens très précis, se montre particulièrement proche de Platon lorsqu'il fait dire à Socrate, dans le Phédon, que le corps est une prison, que le corps est un tombeau. D'une part donc, l'âme voudrait se consacrer pleinement à ce pourquoi elle est faite, à la rationalité, c'est-à-dire à la connaissance, à la contemplation, qui se dit en grec « théoria ». Mais d'autre part, le corps, du fait de ses besoins, de ses penchants, de ses passions, nous détourne d'une telle activité contemplative. Seul le sage parvient à vivre tout au long de son existence sous la conduite de la raison. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, au livre 10, nous dira en ce sens que le sage est divin. Mais le sage est aussi un idéal éthique inaccessible. Tout au plus, cette sagesse est-elle un horizon d'attente duquel il faudrait sans cesse tendre, se rapprocher, en sachant que nous ne pourrons jamais y parvenir totalement. En effet, nous ne pouvons jamais totalement nous émanciper du corps, de ses besoins, de ses penchants. Nous ne pouvons nous y émanciper que durant un temps limité pour pouvoir nous consacrer justement à la contemplation, à la théoria, à la rationalité, à la connaissance. Inéluctablement, le corps, avec son cortège de passions, nous rattrape et se rappelle à nous. L'univers aristotélicien
apparaît donc comme étant un univers profondément tragique, ainsi que le définit le spécialiste d'Aristote, Pierre Aubinck, dans son ouvrage célèbre « Aristote et le problème de l'être ». C'est un univers tragique précisément, en ce que les choses se caractérisent par une scission avec elles-mêmes. Les êtres naturels du monde sublunaire, composés de matière et de forme, ne parviennent jamais vraiment à réaliser leur essence, à réaliser leur forme essentielle, à réaliser leur cuidité, ce pour quoi elles sont faites, ce à quoi elles sont destinées. Pour résumer tout ce que nous venons d'exposer, qui, je le reconnais, est assez dense, eh bien, nous pouvons dire que l'univers aristotélicien se caractérise par le fait qu'il est hiérarchique et téléologique, et ces deux dimensions s'impliquent l'une l'autre. C'est un univers téléologique, d'abord. Téléologique vient du grec télos, qui veut dire la fin. Les choses, en effet, dans l'univers aristotélicien, tendent vers ce qu'elles doivent être. Elles tendent donc vers leur forme essentielle. Forme qui occupe, avons-nous dit, la fonction de cause finale du mouvement. Dans le monde, donc, c'est cette forme qui détermine le mouvement. C'est cette forme essentielle qui détermine le sens et oriente le mouvement des êtres naturels. Tout être humain, ainsi, selon Aristote, se trouve téléologiquement orienté vers sa forme, vers son humanité définie par la rationalité. La conduite de la raison, et s'en rapproche jamais totalement, ne peut s'en rapprocher que plus ou moins. Pour le dire autrement, en chaque être naturel, nous trouvons un désir de réaliser sa fin, d'être adéquat à lui-même, d'être finalement une forme pure. Ce qui explique les êtres naturels et leur mouvement, c'est leur fin, leur finalité, leur objectif, en quelque sorte. Mais ce monde est aussi hiérarchique. En effet, les choses, en tant qu'elles ont à être quelque chose, à actualiser leur forme essentielle et à s'y conformer pleinement, à cause de la matière et de ses entraves, s'y conforment jamais totalement, plus ou moins. Il y a des êtres naturels qui actualisent plus ou moins leur forme essentielle, ce qui crée donc une hiérarchie parmi ces êtres. Et pour conclure, là, cette fois véritablement, il faut faire intervenir une dernière pièce dans ce dispositif aristotélicien de la nature pour le comprendre complètement. Et cette dernière pièce, c'est justement la théologie et le dieu aristotélicien. Le dieu aristotélicien, lui, est véritablement et vraiment forme pure. Il coïncide parfaitement avec sa forme, car il est dépourvu de matière. Il est immatériel. C'est en ce sens qu'Aristote nous dit que le divin est le premier moteur immobile. Il est donc d'une part immobile, d'autre part moteur qui n'est pas lui-même mu. Alors on va essayer de comprendre ces deux dimensions. Le divin, ou le dieu aristotélicien, c'est la même chose, est tout d'abord immobile, car il est dépourvu de matière et ne connaît donc aucun mouvement, aucun changement selon le lieu, selon la qualité ou encore selon la quantité. Il ne se meut pas et est toujours déjà une forme pure et immatérielle. Il a actualisé pleinement son essence, sa forme essentielle. En ce sens, il coïncide parfaitement avec son essence. Je le répète, il a pleinement actualisé son essence, ce qu'il a à être. Il est pleinement et totalement en acte. Il n'y a aucune potentialité dans le divin qui ne soit pas actualisé, qui ne soit pas réalisé. Mais ce divin, ce dieu aristotélicien, est également premier moteur de tout ce qui existe. Pourquoi ? Comment meut-il tout ce qui existe ? Pourquoi est-il la cause des mouvements, des changements que nous avons envisagés ? Tous les êtres naturels, nous l'avons dit, désirent leur propre actualité, désirent coïncider parfaitement avec leur forme essentielle. Ces êtres désirent alors, peut-on dire, être forme pure, sans être entravés par la matière, justement. C'est ça qu'ils désirent, les êtres naturels, c'est être forme pure. Aussi, nous pouvons dire que les substances naturelles cherchent à imiter le divin.
Le divin met toutes les substances naturelles en mouvement en tant qu'il est précisément l'objet du désir de toutes ces substances. Autrement dit, toute substance naturelle désire sa propre essence, désire la totale actualisation de sa forme essentielle et donc désire ressembler au divin qui est forme pure, parfaite et complètement actualisée. Aristote recourt de manière significative au vocabulaire du désir. En réalité, le divin meut les êtres naturels à la manière dont l'être désiré meut, met en mouvement celui qui le désire. Lorsque l'on désire quelqu'un, un être, il nous met en mouvement, au sens où il produit sur nous du changement, tout en pouvant être totalement indifférent à nous et à notre propre désir. C'est également le cas pour les objets matériels que nous souhaitons posséder. Ils nous mettent en mouvement, ils nous poussent à changer pour pouvoir les acquérir, mais cela, bien évidemment, ne les affecte en rien. Eh bien, il en va de même du divin, du dieu aristotélicien. Il nous met en mouvement parce que nous désirons lui ressembler et il ne nous met pas en mouvement au sens où il produirait lui-même le mouvement. Il se caractérise par sa pure formalité et devient l'objet du désir des êtres naturels sublunaires qui souhaitent lui ressembler et donc l'imitent. Il les met en mouvement en tant qu'ils ont le désir d'être, à son instar, comme lui, pure actualité. Le dieu aristotélicien, quant à lui, se contente d'être ce qu'il est. Il est une pure forme dépourvue de la matière et il se définit comme une pensée de la pensée. Noésis, noéséos, dira Aristote en grec. Il est distant et parfaitement indifférent à l'égard des substances naturelles du monde sublunaire, comme le sont les dieux épicuriens. Il ne ressemble donc en rien à cela, au dieu personnel chrétien. Merci Alexis. Je t'en prie, c'était avec un plaisir de revenir un peu dans la pensée d'Aristote, qui est assez complexe mais assez passionnante. Et même si c'est un modèle, une vision de la nature qui est dépassée aujourd'hui, elle n'en reste pas moins passionnante parce qu'on s'imagine un peu ces documentaires où il y a dans une forêt comme ça, toutes des espèces qui se mettent eux-mêmes en forme. Et on retrouve un peu ça dans l'univers aristotélicien. En tout cas, nous vous souhaitons d'actualiser toutes et tous votre essence. Oui, tout à fait. On se retrouve donc vendredi, je ne me trompe pas. Oui, vendredi. Et ce sera un indispensable. Ce sera un indispensable. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit pouce bleu et puis nous soutenir, si vous le pouvez, sur notre cagnotte Tipeee. À très bientôt.